Cette période qui a duré 3 semaines a permis de réceptionner 5184 dossiers sur les 2 sites dédiés pour la ville de N'Djamena, à savoir la coordination de l'unité de gestion du projet et la délégation provinciale de la jeunesse, des sports, des loisirs et du leadership entrepreneurial. Les 4161 dossiers jugés conformes ont suivi un travail d'évaluation approfondi par le comité de sélection des projets. Un lot de 3893 dossiers répondant favorables au financement seront graduellement financés dans les différentes vagues en fonction des ressources mobilisées par l'unité de gestion du projet. C'est dans ces derniers lots que ressort la liste des 163 premiers projets issus des 10 secteurs d'activité retenus pour la ville de N'Djamena qui constitue la première vague de financement des projets, soit un taux de 4%. Les prochaines étapes sont entre autres pour les lauréats, la formation, la signature de la convention en présence des parrains, la cérémonie de remise des chèques, les suivis puis le remboursement des fonds octroyés.